Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ma chaîne YouTube, et bienvenue à Genève. Allez, aujourd'hui, je vous fais faire le tour. Petite présentation du Hyundai Kona électrique. Avec sa calandre pleine et expressive, elle ne manque pas de charme. C'est vrai que vous aurez la prise devant vers la calandre. C'est vrai que moi, je la trouve très, très bien finie. Elle est vraiment très jolie. Vous pourrez la retrouver avec deux puissances, 39 kW et 64 kW, donc 312 km pour la première en 39 ou 482 km pour le modèle en 64 kW. Avec la norme WLTP, c'est une norme qui est plus proche de la conduite normale, avec une charge rapide de 54 minutes sur les chargeurs rapides. L'intérieur est aussi très très bien fini. On trouvera au milieu une console centrale flottante où vous pourrez retrouver dessus. Et ben fini, adieu la boîte de vitesse. Maintenant il y aura des commandes électriques par bouton. Donc on peut voir là avec le frein à main dessous. C'est vrai qu'elle est très très bien finie. Elle est bien. On a un écran tactile couleur de 7 pouces, avec caméra de recul et la connectivité Apple CarPlay et Android Auto pour faciliter la vie. Pareil à l'arrière, il y a de la place. On sera très très bien à 4. Franchement, c'est une voiture à 4. Ça sera une voiture très très pratique. Les sièges avant sont réglables électriquement. Ça, c'est un plus pour la marque et pour la voiture. C'est vrai que Hyundai a franchi le pas en passant sur Hyundai Kona en électrique. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. J'ai fait la vidéo complète en thermique. Moi, mais j'ai hâte de l'essayer pour voir vraiment ce que ça donne sur la route et pour voir en conditions réelles si on arrive vraiment au kilométrage qui est annoncé. On retrouvera un coffre de 332 litres. Et normalement, ce Hyundai Kona, il sera commercialisé en été 2018. Moi, j'ai hâte de l'essayer, vraiment pour voir si ça tient vraiment les performances qu'ils ont annoncées. J'adore le look du Hyundai Kona, c'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Après, on a les aides à la conduite, ça, il manque pas d'aide à la conduite. Régulateur de vitesse adaptatif, système de maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, le système de fatigue du conducteur, la surveillance des angles morts, le freinage d'urgence autonome. On pourra retrouver aussi la charge du smartphone par induction. C'est vrai qu'il est bourré d'aide à la conduite. C'est vrai qu'il a un super look et il se reconnaîtra très très vite dans la foule de voitures. Ce Hyundai Kona, il sera monté sur des jantes alliage de 17 pouces, quasi pleines pour l'aérodynamisme. Je vous laisse le découvrir. C'est vrai que vraiment, Hyundai, ils ont pris un segment avec ce Hyundai Kona qui est vraiment important et qui manquait un peu dans la gamme. Après, on ne connaît pas les tarifs encore. Je pense qu'on va les savoir assez rapidement. Dès que je saurai les tarifs, je vous les donnerai. Il n'y aura pas de problème. Mais je pense qu'on va se retrouver à peu près au tarif de la Ioniq électrique. Sans oublier aussi l'affichage à l'intérieur, l'affichage tête haute couleur avec les instruments de navigation et les avertisseurs de conduite sur l'affichage tête haute couleur. On retrouvera aussi des compteurs digitaux redessinés affichant clairement le flux d'énergie et le niveau de charge. On retrouvera aussi l'ouverture des portes et le démarrage sans clé. C'est vrai qu'il est très très bien fini, c'est vrai que. Question finition, il n'y a rien à redire sur le Hyundai Kona qui a été présenté au Salon de Genève. Après, comme je vous ai dit, j'ai hâte d'essayer la version finale. On retrouvera en dessous et ben, chargeur induction, prise USB et prise 12 volts. Boîte à gants classique, mais il est très très bien fini. C'est vrai que finition, nickel. Siège électrique, comme je vous ai dit, réglable électriquement. C'est vrai que la finition est superbe. Après, j'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir la version finale
en concession ou directement chez Hyundai France, je leur demanderai s'il y a une possibilité de l'essayer. Mais c'est vrai qu'il est très très bien fini. Celui-là est très très bien fini. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Eh bien, ça fera grandir la communauté. Ce sera super. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Si vous avez des commentaires sur ce véhicule, vous pouvez les marquer en dessous. Vous pourrez retrouver aussi un Litchi qui aide la chaîne pour pouvoir aller au salon, pour pouvoir aller faire d'autres essais. Dans la description, il y aura le Litchi. Et si vous voulez retrouver le Hyundai en thermique, eh ben, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Il y a toute la vidéo complète. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt!